Je voudrais, en début de mon propos, associer ma voix à celle du président de la délégation spéciale pour souhaiter à tous et à chacun la cordiale bienvenue dans les locaux de la préfecture du Niger. Je me réjouis en outre de ce que vous êtes déplacés nombreux pour répondre au rendez-vous de cela. Il convient, avant de regarder dans le futuroscope, de se féliciter de tout ce qui a pu se faire durant l'année budgétaire qui s'achève et ainsi témoigner ma gratitude à tous ceux qui, de loin ou de près, ont mis dans l'exercice 2017 qui s'achève. Je voudrais particulièrement remercier l'instance décisionnelle, le conseil de son président, ainsi que tous les agents qui, dans leur labeur quotidienne, œuvrent à la satisfaction des besoins de nos administrés. Il faut le reconnaître et saluer la contribution de vous tous, service déconcentré de la préfecture du Niger, comité de développement à la base, organisation de la société civile, chefferie, agence technique et autres acteurs et partenaires de développement qui avaient accompagné le conseil de préfecture de différentes manières durant l'année qui s'achève. Je m'en voudrais, mesdames et messieurs, de ne pas adresser nos gratitudes à son excellence, monsieur le président de la République, pour les réalisations qu'ont connues les bureaux de la préfecture du Niger, notamment la construction d'une imposante mairie et l'aménagement du terrain de garage pour les visiteurs. Mesdames, Messieurs, le projet de budget politique et gestion 2018, tel que présenté par le président et qui sera donc soumis à l'étude, s'élève à la somme de 353 790 000 francs CFA. Je voudrais inviter les acteurs impliqués dans son étude à faire en sorte que ce budget respecte le plus possible les dispositions de la lettre de cadrage du gouvernement, à savoir consacrer au moins 20% des recettes au fonctionnement pour financer des recettes de fonctionnement pour financer les investissements, prévoir les dépenses obligatoires telles que les traitements et indemnités du personnel, les frais de fonctionnement des services, les cotisations sociales, etc. Associer les acteurs locaux au processus d'élaboration du budget. De cette dernière, mesdames, messieurs, cette dernière exigence, je peux me réjouir de la mobilisation exhaustive des acteurs que vous êtes. Monsieur le président du Conseil, mesdames, messieurs, distingués invités, en ne perdant pas de vue que le social est le talon d'Achille du quinquennat dans lequel nous sommes, je souhaite, à la fin de cette session, les défis auxquels notre préfecture fait face, notamment les besoins sociaux de base, soient mis en exergue dans ce budget 2018. Il conviendra aussi de ne pas perdre de vue
les actions entrant dans le processus de décentralisation dans lequel votre pays est engagé résolument et ainsi prévoir les séances d'information et de formation des comités bilatéraux de développement, les chefs traditionnels à la base, les populations à la base, sont des acteurs clés de ce processus. Le bon management des ressources humaines étant une condition sine qua non de la réussite de la mission de toute institution, je ne saurais terminer sans vous inviter à poser des actions significatives dans ce sens. Il faudra notamment définir un plan de renforcement des capacités des agents, les replacer sur l'offre des compétences avec les déductions salariales habituelles et comme il y en a, il n'y a pas de droit sans devoir, définir des fiches de mission individuelles s'il le faut, rigoureuses et évaluables dans l'optique d'une gestion axée sur les résultats pour que l'efficacité et l'efficience soient au rendez-vous dans l'offre des différents services que la préfecture est tenue à offrir à nos populations. Distingués invités, mesdames, messieurs, je voudrais donc inviter tous les acteurs au cours de cette session à des débats francs, empreints de sincérité, de convivialité, afin qu'au sortir d'elle, le budget voté soit le reflet de la volonté de tous et requiert l'effort de tous à son exécution. Il ne me reste plus qu'à inviter à travers vous toute la population à prêter main forte au conseil de l'ouverture pour un développement inclusif et participatif de notre chère préfecture du CIO. Mesdames, Messieurs, distingués invités, avant de voir mes propos, je voudrais saisir cette occasion pour souhaiter à tous et à chacun de passer de très bons moments et surtout de joyeuses fêtes de fin d'année 2017. C'est donc sur cet invite et sur ce souhait que je déclare ouvert les travaux de la session budgétaire 2018 de la préfecture.